aussi, alors il est issu aussi de la session avec Vincent Artaud. Et on s'est dit, tiens, si on jouait alors un morceau qui était au départ, qui s'appelait complètement autrement, qui s'appelait Sister, peu importe, avec une succession harmonique qui plaisait, etc., mais qui était plutôt pensé comme une balade, et, essayons de jouer le même morceau, exactement la même succession d'accords, etc., au même tempo, mais avec une intention radicalement différente, c'est-à-dire une est absolument électrique comme ça, et l'autre absolument acoustique, mais avec l'idée donc que ce soit pas que ce soit joué pour le vrai, quoi. Joué pour le vrai comme ça. Donc avec une espèce de césure incroyable. Que j'imaginais, comme, enfin, je parle d'écriture de chansons, de textes et tout, toujours tournait autour de forcément d'une chose d'ambivalence, hein, l'ambivalence ou la bascule de l'affect, quoi, complètement, de passer de choses d'extrêmement rageur ou venimeux à quelque chose tout d'un coup de qui serait l'inverse, quoi, extrêmement doux. S'il fallait ou pas faire cette chanson. Ne me caresse pas le dos. Dans l'album, pour moi, elle est dans l'album. Notamment pour des raisons aussi musicales, quoi. J'aime beaucoup le mix. Le travail sur la rythmique aussi que fait Liam. Ne me caresse pas le dos. Qui recourt pas là non plus aux facilités, des trucs hip-hop. Il y a une manière de découper qui est très très subtile, enfin. D'une certaine manière, la logique, aboutie de notre façon de travailler avec l'âme, il ne faudrait même pas y avoir le mix. C'est-à-dire que c'est normalement les choses devraient aller jusqu'à leur aboutissement dans un seul mouvement. Ne me caresse pas le dos.